Bonjour, bonsoir, compatriotes, moi yo, ça va dépendre de l'heure ou pas regarder vidéo ça. C'est un plaisir pour moi à chaque fois. Moi j'ai chance pour me chiter dans micro ça pour porter pour nous une nouvelle émission. Alors, écoutez bien. La police à travers opération yo mené, nous va nous connaître yo gain contrôle Canaran, fond ou bien dans quoi des bouquets pleine. La police fait vidéo côté yo mettre pied à terre dans pleine dicule de sac. Yo pile soldat, yo route que yo fait intervention dans Canaran 1, Canaran 2 avec Canaran 3, à zone Moléa. Ça veut dire là, yo bel et bien présent avec plusieurs unités en de la police là, chablindé, yo route que yo à terre. Yo à terre dans zone à risque. Nous connaissons Canaran 1, Canaran 2, Canaran 3 avec zone qui est Moléa. Zone ça chargé bandi la donne ka bay problème si tout nèg Jeff Canaran. La police met pied à terre suite avec image ça qui les sur réseau à côté ont te montré bandi yo crasé sous commissariat on a ville là. Kounya nou ka tête nous si la police monte que yo à terre nan kad opération yo mené nan pleine kil de sac combien bandi qui tombé? Ça c'est plus gros question qu'elle a posé. Combien de bandits qui tombent dans l'opération si là? Combien de zames qui saisit? Mais la police ne peut dire rien sous zames avec bandits qui tombent dans la zone. Et on te dit, plusieurs matériels dans Onaville, la police est là. Ça veut dire que tu es bel et bien présent. Si on est présent dans Onaville, on est présent dans le Canaran, combien de bandits tombent? On a un bilan, la police. Dans jouk avignon là ou bien dans quelques heures à venir ou ta même connait combien bandit t'est tombé et combien d'armes qui saisi parce que yo te dit yo présent yo tellement présent yo filmé yo monte nous vidéo et ces vidéos ça regarder sous écran là n'attend bilan il n'attend pas parole pour ça tout ka vinn di nous combien bandit qui tombé dans opération ça qui t'est monté là non on a ville avec Canaran qui t'aime faire nous connait gay un policier qui tombé. Oui, grand police est tombé, son police est fille. Police ça qui tombé là, l'irélé Badine Miss McLean, ou bien McLis, on va dire comme ça, Badine McLis. Oui, mais non. Ils sont policiers 30e promotion qui fait partie Corsimoa. Lui tombé en babal dans jour qui était samedi soir 28 octobre 2023. Et il était tombé dans le mon Ekil, dans la commune Petionville. Jusqu'à ce que la présence de la dit, il y a un pile de doute que l'homme agent ça, d'après ça, le syndicat de police là, qui est Sinapoura, écrit sur le côté de lui, il dit, promet qu'il continue à chercher vraie cause à circonstances policières qui ont perdu la ville. Syndicat, tout profiter, rappeler que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a 32 policiers qui arrivaient tombés en babal. Regardez mes amis, son belle femme, regardez sur l'école là, qui te fait partie de Corsimoa, qui arrivait tombé, dans moi l'équipe, et qui nous fait connaître, c'est en babal, bandit, qui arrivait tombé. Mais selon syndicat de PNH là, qui c'est Sinapoa, il fait connaître, il a cherché bon genre d'état avec information qui rend que. Policier ça, t'es arrivé tombé dans molécule. Après, c'est Badine McLis ou bien McLise. Et Badine McLise, c'est policier 30e promotion qui fait partie de Corsimoa qui arrivé tombé en babal dans la nuit qui était samedi 28 octobre dans molécule, dans la commune Petionville. Nous avons une belle dame. Certes, nous perdons une belle femme de PNH là. Nous avons une belle femme de 6 mois, une belle femme comme ça qui devrait pour servir le pays, pour protéger et servir, malheureusement, lui fait vrai pour le pays sans ça, chapeau. En tout cas, nous regardons là, femme ou bien, nous connaissons job pour ça, c'est job secret qui est lié. Job secret. Même que nous avons des polices là, il dit il y a renforcé dans toute zone, arrêté pourtant, pour essayer de participer à tomber en babal, bandit. Qui t'aime te faire nous connaître, la police recevra plusieurs matériels nommés
et étranger. Le mal étranger nous c'est nègre, nèg capitaine pour mettre nous office Nations Unies. Où qu'on est. La police recevoir vendredi qui était 27 octobre 2023. 30 machines pick-up Toyota Land Cruiser avec 250 motocyclettes tout neuf. C'est donc ça yo entre dans quatre programmes UNDP Haïti avec Office Nations Unies contre drogue à crime qui visait à appuyer police nationale là. Tenez bien. Parlons de pour nous. Yo bay police là 20 machines pick-up l'un cuisé. Est-ce que blindé? Mais non, il pas blindé. Qui nous? Yo bay 250 motocyclettes. Pour la police ça raflané. On va les motos ça yo c'est non mais gros gradé il va tomber. Pas dit nous. Nèg sa yo c'est la tête à passer nous. Lè. Depuis on baisse font si magri avec la police là. Il ba outi, yo ba une motocyclette, yo ba une machine, yo ba un casque, des trois grandes casques, des paire bottes et puis tout. Yo fait photo avec nous pour ka publier sur page officielle yo. Tendez bien. C'est même Office Nations Unies ça qui allé dans pays Kenya. Qui allé dans pays et Ukraine. C'est même yo même non qui allé en Israël. Tendez oui. Yo bay chablinde. Yo bay gros am. Yo bay bal. Missile avion de guerre. On va dire oh oui, le point Ukraine ou le point Israël nek sa yo nan guerre. Haïti va nan guerre. Haïti va nan guerre avec l'autre pays. Mais Haïti nan guerre avec propre petit li. Le point ISO, ti la appelé. Le mois sans jour, vite l'homme. Mais ça va peut-être que c'est mon lame, oui. Et on lame, oui. La pète balle sous nous. Ou ka dire, oui, pas dans la guerre, pas de missile de guerre qui a tiré. Mais nek sa ou gen gros am. Pour qui ça? Office Nations Unies, pas armé nous. Pas faire nous cadeau, de ces gros tanks, gros charrende. Pour qui ça, yon pas faire nous cadeau, de ces gros am. Pour nous combattre avec bandi yo. Pour ça la pelle fait un cadeau c'est machine. Machine pas même blindé. C'est motocyclette ba nous. Yo pas jamais fait un cadeau de ces gros am grenade pour lancer en avion et pour craser village de plate. Pour ça yo pas fait un cadeau. Équipement pour nous gourmer avec grand yo. Équipement ça ba là c'est équipement de déplacement oui. Et ba ba pour faire opération faire pénétration non. Mais non. Ça ba là et ba ba yo ba pour faire pénétration. Tendez bien, oui. L'aime dit nous, c'est jouable, j'avais une bosse menti. Où il est bon toujours? V machine, pick-up, Toyota, Land Cruiser, 250 motocyclettes, ça a la facilité pour se déplacer. Les gens ont des problèmes là où ils sont déplacés. Mais avec pour faire intervention, avec pour faire pénétration en dans une zone à risque, c'est complètement impossible. La machine ne va pas faire. Si on va faire pénétration, si bon Dieu t'a dit comme ça, y a pas son foule automatique sur machine ça. Plusieurs policiers tombent babal. Clair. Plusieurs policiers tombent babal. Machine ça là pour assurer périmètre. Yo là pour décadir faire va-et-vient. Oui. Pour assurer sécurité population. Machine ça au pas là pour entrer dans ghetto. C'est chablin de qui pour entrer dans ghetto yo. C'est même Nations Unies qui a allé Ukraine. Elle porte si pour Zelensky. C'est même Nations Unies qui a allé en Israël. Elle porte si pour. Pour que ça il va faire nous même bail là. Ba nous âme, ba nous balle, ba nous tank. Ouais, ouais, c'est faire un cadeau. Prêtez-nous. On met prêtez-nous pour nous faire pénétration dans fief bandi yo. C'est même nek sa qui va être agent de guerre yo. Ou pas besoin faire un cadeau. Qui moun nouye pour faire cadeau? Prêtez-nous plutôt. Prêtez-nous si ça ne passe nous dans tête. Gagnez des bons matériels nous gain là, nous ca prêter nous. Bon souvle, ou met trouver avec tout pilote. N'a connait pas pour nous lier. N'a payé pilote là, n'a payé chauffeur en façon pour faire opération.
Oui, anti semaine passé nous dans tété. Anti semaine passé nous dans bêtise. Nous connaît nous pas aimer Haïti. Nous connaît nous pas aimer Haïti sorti dans sa là. Nous connaît ça. Mais on prêter nous. Si semaine fin cadeau machines, il va me blinder. Et motocyclette, t'as écouté moto mais ça nous ba nous yo et pas police pas jeune. Claire, il va vous pas jeune non. En tout cas, malé, rendez-vous dans votre émission pour qu'on ton l'autre dossier publié sur ça, c'est pour 59. N'attendez-vous like, lui, abonner, payer sur notification, rester sur personnalisé sur tout. Pour les nouvelles vidéos, pour pas rater. Rendez-vous dans votre prochaine émission pour qu'on traite on l'autre dossier. T'es débarrassé de nous et alors t'es un doyen au cap là t'es dit nous n'avons volé nous n'avons volé quoi des bouquets. Tu es doyen au cap là t'es dit ça. Et parce que okay. Moun ne pas accepter ou pas les bails ça. On a entendu là. On regarde rapidement. Monsieur, et moi je pense que son nouvelle importante pour Haïti avec FAES, ok, et c'est Fonds d'assistance économique et sociale. Mm-hmm. Si je base sur l'article Haïti 24 qui baille tout détail, et alors FAES classé parmi 5 finalistes. De institutions qui bien gérer projet BIDIO. Sous 141. Le monde? Le monde? Oui. Dans le monde? Dans le monde. Dans le monde. Sous 141 pays. Ok. Et c'est la première fois que ça arrive dans FAES. Non, mais ça. Première ça, fois ça, ça arrive. Ça, il mérite croche. Il mérite croche. Ok. Il n'est pas facile non pour blanc, pour nous, haïtiens. Oh! Il n'est pas facile. BIDIO, c'est Banque Interaméricaine américain de développement. Est-ce que ce n'est pas seulement continent américain, seulement oui, financier? Avec Caraïbes. Oui, oui. Regardez, on fait coup de sous-texte. Hein? Et le Fonds d'assistance économique et sociale FAES a été désigné comme l'un des 5 finalistes du concours super-héros du développement de la Banque interaméricaine de développement BID parmi 141 concurrents de la région Amérique latine-caraïbe. Ce concours annuel met en compétition les agences d'exécution des projets de développement de la BID dans la région. Et le FAES est dirigé par M. Paul-Henri Voltaire depuis près de deux ans. S'est distingué grâce à son engagement en faveur de l'efficacité dans la gestion de ses projets. Et il bénéficie et du soutien du conseil d'administration du ministère de l'Économie et des Finances ainsi que d'autres partenaires tels que la BID, la Banque mondiale et la République de Chine, Taïwan. Malgré les défis politiques, économiques et sociaux auxquels il est confronté, le FAES continue de remplir sa mission d'accompagner les communautés défavorisées dans le développement de leurs capacités et la valorisation de leurs potentialités, a fait savoir le service de communication de l'institution dans une note de presse. Donc les programmes et les projets exécutés par le FAES tiennent compte du respect des normes établies par les ministères et sectoriels concernés et se structurent autour de 3 volets principaux auxquels se rattachent les secteurs indispensables au développement local et national, souligne la note du FAES. Donc les initiatives du FAES s'étendent sur tout le territoire national, bénéficiant à des personnes en situation de vulnérabilité, des communautés et des populations défavorisées, avec une attention particulière à la participation, l'équité de gens et l'environnement, précise la note. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour FAES, une bonne nouvelle pour Haïti également. Donc là, maintenant, et c'est demain, le concours la fête demain, et c'est à Washington. Donc il y a une délégation de FAES qui est déjà à Washington, et il y a donc à sa tête le directeur général de FAES, M. Paul Voltaire, Paul-Henri Voltaire. Donc là, est-ce que qu'on y a dans la finale ça, parmi 5 pays, est-ce que FAES est capable de venir numéro 1? Nous souhaitons. Mon cher, nous t'as souhaité, mais le fait qu'il est déjà classé parmi les 5 finalistes, c'est déjà grand chose. C'est grand chose. Bon, pour qui ça? Parce que si FAES qui est affilié avec le ministère des Affaires Sociales,
et nous ouais nous tant des valeurs combien millions passé c'est Paris DP c'est Paris nous tant des valeurs combien millions passé qui décaissé sous nos peuples là et dans bagaille un programme et social dernièrement là c'est 26 combien milliards de good si faire est-ce qu'a distingué hein c'est pas mes affaires mais là mais jusqu'à présent m'a dit Audrey Pierre Rico qui j'ai l'agent ça yo fait comment yo fait qui ça monsieur que il n'a pas de réponse pour vous OK mais quand même Fares oui si Fares distingué si Fares distingué parce que c'est bravo. Bravo ah ouais bravo. Donc là moi c'est que bla 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 papa haïtien comme si et diplôme ou bien bravo pour ça pour haïtien non okay? Et c'est première fois OK dans toute existence institut sur ça qui est Fares ça c'est première fois que Fares donc a participé dans tel concours donc parmi les 5 finalistes donc de la région donc et bien reconnaître que c'est une institution en Haïti qui bien gère projet Bidio elle dit que là et ben c'est l'état important pour nous garder souterrain tout pour que travail Fares là Blanca pas de bravo mais faut regarder tout souterrain yo poudre terrain qui bon Fares ça qui bon Fares ça arriver bon en tout cas bravo donc à monsieur Paul Henri Voltaire le directeur général donc de Fares on allait monsieur OK et il y a deux points que on a fait on a traité ensemble la fusionné OK et Haïti Justice selon le Miami Herald des enquêteurs du FBI ont rencontré et interrogé Joseph Baggio sera-t-il extradé aux États-Unis d'Amérique n'a fusionné avec le point qui dit Haïti Justice dossier assassinat du président Jovenel Moïse, des bijoux et de l'argent emportés par des assassins du président Jovenel Moïse le soir même donc de l'assassinat. Donc en aller, monsieur. Maintenant, débat, faire débat déjà sur ça, sur question 45 millions de dollars. Songez. Oui. Laissez-moi à José, nous avons un débat très houleux. Côté que je me dis 45 millions sont petits gobes, en fait, entre guillemets. Oui. Je te dis 45 millions de dollars. Et comme on peut gagner comme ça la Cali. OK? Bon probablement donc les gars des projets ils vont investir là-dedans. Bon, je suis pas d'accord. Nous te fait gros débat sur ça. Jusqu'à ce que nous devions entendre nous que un président reste pratiquement un président. Maintenant, la question assassinat président Jovenel Moïse là, rumeur ça a été circulé. Vous songez? Donc pendant toute semaine après donc assassinat oui mais ça t'a circulé du côté de la rue sur ta consacration le dîner sur ta avec consacration négocier et que Jovenel Moïse 45 millions de dollars la Cali donc c'est ton rumeur t'a circulé et voilà que je dis là à ce qu'il paraît qu'il y a que gagne un monsieur qui a arrêté un colombien qui participe Mario Antonio Palacios dit a confirmé ça mais ça qui bizarre dans question monsieur c'est que monsieur lui-même lui dit que il était volé bijoux. Il prend montre, il prend chaîne, il prend bagaille et puis il prend seulement 2060 dollars. Côté reste l'argent. Et puis il dit que comme il a estimé entre 45 millions à 53 millions de dollars. Maintenant la question aujourd'hui, côté l'argent ça fait. Côté reste là. Il n'est qui compte l'argent, pas l'argent. Ah oui, ah oui, ah oui. Est-ce que c'est pas trop là en Haïti et employé le côté l'argent ça fait. OK. Est-ce que c'est même gros tête et mon qui était dans tête bail qui libote l'argent ça bail et ça c'est côté l'argent. Alors hier on t'a lu article là. Vous connaissez ces déclarations yo agent fédéral qui répétait ça par la chose dit quoi Valdez son bail comme ça. Non tribunal devant tribunal fédéral parce qu'on est c'est même avec DCPJ les DCPJ arrêto les cuisino avant le poteau bail la justice. C'est même bagarre la même travail là que FBI fait. Donc non ça dans rapport et FBI dressé et justement hier tribunal fédéral t'a tendu agent qui t'est rencontré par la chose depuis Colombie à deux reprises dernière fois c'était en octobre il dit Mario Antonio par la chose avoué que nous t'ai gon corps qui est évalué entre 45 à 52 mois 52 52 millions de dollars mais lui-même personnellement il t'ai gagné il a fait de 2060 on va dire comme ça non mais avec une chaîne il même dit que chaîne est pour madame ni mais agent qui t'es pas la veille là t'es gain doute sous chaîne non OK maintenant question m'a posé mais comment fait agent FBI yo pas mandé Antonio Palacios qui côté
Rescob là c'est 2000 seulement combien dans mais qui dans mail. Ouais, pour qui ça c'est 2060 dollars. Oui, pour seulement qui dans mail. Je fais depuis FBI, pour ça FBI lui même pas qu'il cherche quelque chose. Ou pas quelque bagarre monsieur. Et ça fait m'a dit nous même. Tout ça États-Unis a fait là, c'est peut-être pas ça c'est point de vue pam. Okay, c'est peut-être parce que nous cité dans complot que tu as fait pour assassiner président. Parce que si me garantis ou si pas de réunion que tu as fait aux États-Unis. Si pas de américain qui était impliqué, les américains, mon qui haïtien ou américain justement, qui était impliqué dans dossier ça. Madame si États-Unis t'a intéressé comme ça. Alors, me connaissez dossier journal Moïse. Permettez à tout. On a qui gagne information sur fonctionnement président Jovenel Moïse. Parce que président Jovenel Moïse, c'est un nègre qui a fonctionné comme ça. Comme si il a fait sécurité là, comme si. Il est vague. C'est ton président comme ça. Mm. C'est comme si ou t'es dit que c'est pas ton président. On a qui gagne information ça, bien maintenant tout. Que sécurité président n'est pas tellement. Et organisé. Efficace, organisé. Mm-hmm. Il pas tellement organisé, il pas tellement efficace. N'est-ce qu'il y a information qui est de nègre qui est dans la sécurité là, monsieur? Est-ce que là? Correct. Écoutez, pour n'est-ce qu'il y a information que il y a 53 millions de dollars là, Kali. N'est-ce qu'il y a ça? Vous pensez que le président est comme ça, Kali? Attendez. Là, nous basons sur déclaration agent VL, agent. Oui, mais on va pas. C'est conditionnel. Il va confirmer, non, il va affirmer, ni affirmer que. Ça, c'est agent qui, ouais, qui reprend ça. Par la chose, Yeah. Et que tu as dit. L'agent était, ouais. L'agent était, ouais, il t'a entre 45 millions. Entre 45 millions à 52 millions. Mm-hmm. On est pas maintenant. Comment le Darek est contrôlé? Il est dans la frontière. Mais mon frère, ça, d'accord avec vous poser question. Attendez, mon frère. Et ça, il va contre l'argent. Puisque ne pas contre côté l'argent, il est contre. Ça pas tout, c'est pas côté par la sauce, pas la sauce menée là. C'est pas mon zéro point. C'est pas oublié. Après assassinat, Gemoun, il estime qui a une responsabilité plus haut que mercenaires, les planificateurs, etc. C'est après combien de mois, vous arrêtez. Donc, on a qui a une formation qui permet de faire ça. Que 52 millions de dollars là. Et puis, l'OUE sécurité n'est pas organisé. Bon, ça coûte 80 000 dollars libre. Bon, grand monde nous a posé question ça. Ça coûte 80 000 dollars à terre. Bon, grand monde nous a posé question ça. Pour qu'un policier joue ça, pour pas venir travailler. Et vous là pour 52 millions là. Bon, grand nous a posé question ça. Martin Moïse. Oui, Martin Moïse, mais deuxième monde, bon, mettez en deuxième. Mm-hmm. C'est responsable monde qui était responsable sécurité président familial. C'est clair, oui, c'est clair. Comment les Dimitriera. Dimitriera. Dimitriera pas responsable sécurité président. Et c'est US. Mais comment sécurité, comment sécurité organisée dans parler national. Mais comment sécurité organisée. Gagnant le coordonnateur du palais national, Sanrelé, c'est lui-même qui coiffe toute sécurité président. Right. L'essayons donneur d'ordre. Et c'est lui qui planifiait, coordonnait la sécurité du président. Mm-hmm. Au bras joint en deuxième lieu le directeur de l'USP. Qui est responsable toute USPA. Ou bien joindre le responsable du SWAT. Ouais, Dimitri a beaucoup là même, non? Le responsable là, du SWAT. Oui, le responsable du SWAT, du 4 team. Ah, ok. Qui c'est lui même qui force de frappe là. Mm-hmm. Force de frappe là, ça veut dire que toute opération, les présidents tag en difficulté, c'est 4 là qui a intervenu. Ou bien joindre Dimitri Hira, le responsable de l'USGPN. Mm-hmm. L'USGPN, c'est l'unité de la sécurité générale du palais national. Mm-hmm. Qui reçoit tout palais net en matière de sécurité. Eh oui, mais ça va empêcher que Quittez-Aïe détaillé ça que légal là, pour Esaïe vienne dire ça que tu as fait en bas. Maintenant, parce que moi-même, je parle de ça que tu as fait en bas. Maintenant, gagner ça ne relé parce que nous connaissons belle en matière de droite. En matière de sécurité du palais, c'est USPA
qui rapproche le président, unité sécurité présidentielle. C'est une unité ça, en d'en parler, qui rapproche le président. Et dernière unité à faire atteindre le président, avant de arriver à jouer le président. Avant de arriver à le président. Maintenant, et 4 là lui-même, après USP. Et puis USGPN, vient avant. Vini jusqu'en après. Ça veut dire que son échelle. Mais, ça veut dire que, il y a là, l'eau avant entrer dans le palais, ou bien l'eau avant entrer comme président, j'aime avec ce que là, c'est comme ça pour elle. Attention, je ne suis pas pour elle comme ça, non. Tout le monde pas pour elle comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu as fait. Non, ce n'est pas comme ça que tu as fait. Parce que tout le monde connaît, il y a pile de choses qui ne sont pas respectées. Dimitra, Dimitra, qui montait sous tout le monde. Parce que nek qui était chef, parce que c'est plus gros chef civil, c'est le numéro 1. Oui. Et bien son nèg ou comme ça qui tout fait bac et tout. Oui, nèg il pas qui était frère comme dans devant, c'est nèg yo qui était chef. Oui, voilà. Oui. Il qui était nèg yo agir en dans devant Dimitra, par exemple. Oui. Bon monsieur, premier ça, ça nous t'a annoncé comme coup d'état. Ça, comment c'est là, petit bois. Elle est basse coup d'état. Oui. Permettez, mon frère. Elle là, ça a toujours fait pas faire. Qui a si commandé les âmes? Dimitra, mon frère. Dimitra. Oui. Dimitra. Oui, mais le chef par la nation. Dimitra. Chef de goût de oui. J'ai dit, je suis passé toute la nation. Dimitra, mon cher. Et soit dit à tellement frère, soit dit à Pierre-Mathieu. Monsieur, qu'on femme né. FBI pas la belle. On femme qui en Suisse. Oh oui. Bon, bon, cloche. Femme dans la ville, monsieur. Hein? Oui, femme dans la ville. Oui, mon dame en Suisse, ça, mon. Vous connaissez? Oui, j'ai acheté une machine $200,000 américains pour moi. Papa. Un fiatisa? C'est mon balavel doué. Bonne. Fiatisa, monsieur. Parce que FBI a checké femme là. Ok. Parce que vous avez un numéro femme là sur téléphone, monsieur. Bonne. Monsieur, pas de gain. Dimitri Nanchot. Dimitri Era. Claire. Non, c'est clair, c'est clair. Et mon cher, son soldat me terrain, mais ouais. Oui. Ou on qu'il aime une chasse pour garder monsieur bien. Pas de peur. Pas de peur dans le carnaval. Eh ben c'est ça. C'est tête machine. Vraiment chef là, c'est de la guerre civile. D'accord. Et pourtant c'est le donneur d'ordre du palais, c'est Dimitri. C'est vrai. OK. Et ça que fait? Ouais, arrêtez les gens de la guerre civile. C'est lui le chef. Eh. Normalement monsieur. Les gens explication pour le bail. Explication pour le bail. Awan, j'ai la guerre civile qui explication pour le bail. Aujourd'hui à tout, yeah. Léon Charles d'Ado qui explication pour le bail. Oh non, Léon Charles sera inculpé dans le dossier. Oh quand on dit oh. Ça est numéro 1 mon cher. Léon Charles sera inculpé dans le cadre de ce dossier. Pas de ne pas tenir par raison. Moi j'aime donner la raison. Là il fin bataille avec Guité l'homme. Là le récit où le président a pris l'île. Là le rivé. Dans le commissariat à Pétionville là. Il est tout gros chef yo. Il était même mandé pas arrivé pas pa arrivé bio. L'est arrivé bio bon station gaz là. Tire ça sur Dimitri Era. Par exemple c'est un chat pet oui, il arrivé quand même. Il était bloqué. Il était bloqué. OK, maintenant la question. Tout le monde va bien à l'école pour comprendre ça. Ouais, assassinat ça. On va même bien à l'école. La question de Félix Badjo interrogé par l'FBI. Maintenant, est-ce que l'a estradé ou pas? Et selon moi-même, Badjo est tellement important. Aïe aïe aïe. Selon moi-même. Ouais, selon moi-même. Selon moi-même. Tout le monde qui t'a sécurisé. Tout le monde qui t'a sécurisé, président Jovenel, mais tout la guerre a sécurisé Badjo. Tout tellement important là. Badjo est tellement important. Maximum sécurité que possible maintenant. Ah, mon cher! Oh! Oui. Oh! Non mais c'est sérieux! Oui. Pas de maximum de sécurité que possible! Pour tout le monde qui a sécurisé le président! Président assassiné pas même on avec ta barbe! Si le mec ça vous si on bat tout le mec ça vous sécurise, on m'a pris la mouille! Vous voyez qu'on est qui t'a le pour nèg? Vous voyez qui t'a le pour nèg? Vous toujours baisez ça, oui. Monsieur dans la prison là?
Oui, il a fait un petit combiné. Oui, il a fait un prison. Batou d'un important. Et le rapport de CPJ a dit le doux. Ok. Et même New York Times dit le doux. Et Batou de Sarah pour a dit tout. Qui vérité tout non? Là, on va prendre une fonds question. Non, là, on va parler de fonds question. On va prendre une ensemble. Ya, voilà. On va prendre une parce que, l'oublié, non? Dans mon rapport rédigé, Léon Charles était au poste comme directeur général de la police. Il t'a influencé. Et ça fait. Maintenant, de Frédéric Lecomte. Maintenant, de Frédéric Lecomte, pour responsabilité. Donc, et ça fait. Donc, Léon Charles était encore directeur général. Après l'assassinat. Et production rapport. Ah, mon cher. Pas capable de gagner droit de gars sur lui. Ah, pas de droit de gars même. Gen ok sorti lui. L'homme de gobo. Gen moun yo retiré, non moun yo retiré dans rapport. Quoi dis-moi là? Oh, comment? Amda directeur général. Gen soupçon sous moi. Et tu fais des Lecomte comme directeur central judiciaire. Comme si moi qui te le fait n'importe quoi là. Non, mon cher, pas comme ça, mon cher. Parce que faut lui valider rapport. Claire, mon cher. Et ça fait? Ils ont bien parlé, monsieur. Très bien. Moi, t'as souhaité que pour qu'on enquête indépendamment okay. sur le dossier. Très bien. Ok. Parce que, et pas que je ne vais pas faire confiance avec DCPJ, non? Très bien. Loin de là. Nous connaissons de France techniciens. Mais même problème, c'est par rapport à Léon Charles, qui était toujours en poste. Très bien. Ok. Après l'assassinat. Et que qui regarde l'été gagné sous rapport ça avant que rapport à la justice. Là je suis d'accord. Ça c'est pas réflexion moun fou. Non, ça c'est pas. Ça c'est pas réflexion moun fou. Bah c'est a bien dit le comme fou oui. Là d'accord. Maintenant moi même pense que pour la sécurité de Félix Badjo et mon mari qui il a sécurisé monsieur vraiment. D'ailleurs, monsieur il veut être pénitentiaire national. Le bail que fait monsieur, il a aménagé en cellule à part pour lui. En cellule à part, qui touche une toilette, lui, monsieur va baisser son petit bazar. Maintenant, si FBI a commencé à tendre monsieur, monsieur que, il y a des bagages que monsieur a pour lui dire, et que c'est là-bas pour la dire. Il me parlait avec un monde matin, il dit, il y a une pile chance pour venir chercher Badjo pour la juger aux États-Unis d'Amérique. Mais si l'FBI est venu en contrôle, il y a des signes. Pour bail plus ouais ou mérité à l'autre bois. Ouais. Comment? Très bien. Ou ne doit pas développer ce sujet là. Mais. Et maintenant de tout, Pierre m'a traité à tout. Papa sur écran de promotion. Mais on est qui commet qui et pose un acte pareil parce que toute la police, la majorité des policiers issus de 95, 96, 97, 99, 98, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, jusqu'à 2010. Majorité contre Badjo. Et Badjo toujours le bras soupe dans l'épidor. Donc majorité policier connaît Badjo. Maintenant, il te prend courage à deux mains, l'arrêter Badjo. Il fait arrêter Badjo. Et il revendique l'arrestation. Maman de sécurité pour lui. Renforcer sécurité, un bouquet de feuilles avec tout. Jack McKenzie. Parce que depuis Badjo, il n'y a pas de problème là. Nègre ça a un problème. Même les nègres pas un problème. Même les Badjo pas un problème. Nègre pas un problème. Badjo pas un problème. Nègre ça a un problème. C'est-à-dire, vie nègre en danger. Pas oublier, c'est pas n'importe qui monde Badjo. Donc il va gagner doit arrêter même. Hein? Il va gagner doit arrêter même. Non, pas samedi, non? Ok. Non, ça veut dire que la vie Badjo en danger. La vie nègre en danger tout. Okay. C'est la mafia qui a frappé. Oui, c'est clair. La mort du président, pas n'importe qui m'a lié. N'importe qui a l'assassinat. Un crime transnational qui a plusieurs pays qui impliquent là-dedans. A tout conze haïtien en dans crime. Conze haïtien. Eh bien, ça fait me dire que. Qui te d'offre, qui te. Jacques McKenzie. Jacques McKenzie, qui te agent 1. N'importe quel agent 2. Quel que soit. C'est la police qui t'a arrêté, Badjo. Mais la police même. Oh, ok. Et la police même qui a arrêté Badjo. Eh bien, salut. Oui. Okay. Et la police a arrêté Badjo. Moun qui va attaquer. Et ça fait me demander premier ministre. Il va attaquer la police. Il faut féliciter. Il faut non, eh bien oui. Il faut féliciter. Et l'institution policière. Me dit premier ministre, sous pas féliciter pour l'institution policière là, c'est que ou demain à Badjo. Bello. Et ça me dit. Il va attaquer la police. Bon, exemple ça.
dans le département de la CAO, on a pris le département de la CAO comme exemple. Le voyage d'ailleurs, comme directeur départemental, saleté fait. Mon Saint-Bac, mon Latibon, il a battu bravo pour Ader. Jacques Ader. Je salue le commandant Jacques Ader. Politique ou bien. Je m'a dit, monsieur, il n'y a pas de travail, ça a été fait. Et puis, il a retiré monsieur, là, que monsieur dans la rue. Parce que la barre est sur le. Ah, mon cher, monsieur Selle qui est dans la rue. Bagaille, s'il y a un problème, il y a un problème, il est Selle. Donc, c'est pas assez proche, monsieur. En tout cas. Donc, sur le dossier, le dossier de Badio, son dossier n'a pas suivi ici, alors qu'à l'émission, on a débat. Est-ce que la extradé ou bien est-ce que la prêté donc en Haïti donc au pénitencier national. Donc sur le dossier d'abstention ici à l'émission Matin Débat. OK. Et nous allons terminer avec dernier point ça après pour nous recevoir Jean-Sam Oxelin et pour la page spirituelle nous connaissons que chaque jeudi nous gagnons Jean-Sam Oxelin. Oh. Donc, nous avons fini toute belle politique. Non nous étions nous là. Ah. OK. En aller. On va aller. Midi 35 on aller. OK. Haïti, insécurité, comment analyser le manque de résultats de la police nationale d'Haïti face à l'insécurité en Haïti? Ah ben lui. Puis maintenant, dans tout le monde, il y a une bataille là. Ah ben lui. Une bataille là sous tête France LB. Eh ben, ah oui. Ou même d'où il parce que problème là. C'est dans la police même. Yeah. Où est-ce que politique il n'y a pas problème. Mais, maintenant, sur le, non, mais le problème. Non, d'abord sur le plan politique. Non, sur le plan okay. Politique, c'est. Pas de monde, il n'y a pas un secret pour personne que France LB, c'est un monde qui est bien, qui est bon ami, ancien sénateur Nenel Cassis. Oh, ok. Donc Nenel Cassis vient dans le pouvoir, France LB vient directeur général. Et puis tout pour me penser que c'est Nenel Cassis qui imposait Franz LB. Maintenant, Franz LB et Nenel Cassis démarquent de Ariel Henry. Et bien, il y a des gens qui ont équipé Ariel Henry qui ont goûté là pour débrancher donc, tout ça que Nenel Cassis a gagné dans le pouvoir. Ok. Et bataille politique là, vient mettre en pression sur Franz LB là dans ce moment là. Mais la chose que Franz LB a gagné, c'est que Blanc avec monsieur. Okay. Et monsieur fait quand il a sorti Washington, donc probablement donc sous des instructions qui gagnent pour question de nouvelles forces qui a venu sous problème de la police, des comme ça. Mais l'invitation, il devait dire, ça le devait dire. Anti-assurance en plus. Anti-assurance en plus. Mais ça pour nous connaître, madame, monsieur. Ça qui est là comme situation dans le pays en matière de sécurité. Quel que soit directeur général ou d'amitié là dans la police là, Zin. Il a toujours un problème. La police n'a pas formé pour ça. La police n'a pas formé pour ça justement. Mais pas oublier, la police a chita sous trois roches du feu maintenant tout. Et si il y a une roche du feu, ça qui pas marché. La a un force côté. Problème. La police a chita sous DCPJ. Qui c'est bras judiciaire là? Qui c'est bras judiciaire là? Le chita sous DCA qui c'est bras administratif là? Et puis chita sous DCPA qui c'est bras opérationnel. Opérationnel. Oh, actuellement là, Fonds LB, il n'y a pas de problème de CPJ. On va bien parler. Actuellement là, Fonds LB n'a pas de problème de CA. On si bien aimé. Il n'y a pas de problème de CA. On si bien aimé. On va bien frapper. Mais. Je dis, il y a problème, Franz LB, c'est DCPA. Ça passe. Franz Mathurin. Alors, c'est pas la personne. Non, mais c'est pas la personne. Non, c'est pas la personne. Oui, oui. Non. L'unité. Je ne parle pas de la personne. Mm-hmm. Je parle du poste. On parle de l'entité. De l'entité. Yeah, je ne parle pas de la personne qui est là. Alors, me rappeler que c'est Franz Mathurin qui est en tête DCPA. Et puis, Enz Dorfeuille est secondé. Assistant. Alors, même pas parler de monde qui n'a pas de poste. De monde qui n'a pas pas parler de poste là même. De fonction même. Mais c'est il y a deux mondes qui comptent travailler. T'es mon frère. Pas bon menti. Yeah. Malheureusement, Franz Dorfeuille, comme si à cause de bague qui passé, il a vu de mettre sous dos son petit doute. Au bon avec Blanc. Mais Dorfeuille a fait un bon de CPA. De fait, je dis, il est assistant de CPA. Oui, assistant. Maintenant, Dorfeuille. Il a des CPA longtemps. Dorfeuille et Franz Mathurin. Je dis à vous une obligation pour vous provoquer quand même. Résultat. Un minimum de résultats. Correct. L'arrestation de Badjo, ok, nous mettons sous actif. Bon, pas un problème.
Mais maintenant, au moins, mon gabouit là, monsieur. Grand action. Mon gabouit là. Au moins. Au moins, Canaan. Monsieur. Matissan tout. Non, Matissan. Bon, Matissan. Bon, ça, ça, plus ou moins. Matissan. Matissan. C'est dommage que vous toujours un blanc dans la police là qui toujours là cap tout monsieur. C'est pour écoutez, DCPA fonction même, c'est lui même qui pratiquement bras opérationnel la police de la police nationale. Et si on a goûté DCPA, permettez-la toute. Faut qu'on pile courage et faut mettre garçon sur vous ou bon mettre femme sur vous pour capable arriver bien passé dans fonction ça avec madame. Eh ben m'a pose. Alors on parlait de trois bras tout à l'heure là. Oui, trois et trois Dieu. Et quatrième là où Jean et Balvag plus ou moins ministre c'est DRG. DRG c'est direction renseignement. Oh, direction pas gain aucun police efficace sans cette direction. Même là où est un Jean mettait sous côté. Est-ce que voilà. Il y a pas le moyen. Est-ce qu'on y a tout directeur dire général, il y a toujours pas moyen donc à DRG. C'est Michel Ange Deon qui était augmenté l'argent que tu connais ni DCPJ ni DRG. Parce que c'est renseignement donc pas gain opération. Non, pas gain sérieux. Parce que c'est DCPA qui vous fait opération également intervention. DCPA. Qui ça qui comportement nous ne parlons pas de mon nous ne parlons pas de fonction même à venir fonction ça pour marcher bien qui ça pour YouTube.